Bon ben, on est le 11 avril. Tu vois, j'ai enlevé une partie de mon abri. Ça fond pas encore tant que ça. Il y a encore pas mal de neige. On va aller faire le tour, hein. Colin, il reste au moins ça de neige, hein? Torbine de Torbine. Celle-là, il fait 2 degrés. Donc là, je suis mieux de mettre mes raquettes parce qu'elle m'a calé jusqu'aux oreilles. Là. C'est sûr. Donc, tu vois, j'ai coupé un arbre hier parce que il me fait de l'ombrage sur mon char. Mais je vais tout recycler le bois. Je vais faire des gros madriers avec. Ici, il y a ma fendeuse à bois. Hein? Mon abri bois est encore bien plein. Là, je suis vraiment comme à 3 pieds dans les airs. Là. Ça, c'est mon bois de camping. Hein? Pas près d'être tout vert. Ici, j'ai ma table à pique-nique, puis mon rond de feu, puis mon gros divan. Le jardin. Bon, t'as dit. Hein? Pas fini de pas finir. Hein? On va aller voir les abeilles, ouais. J'espère qu'ils ont bien survécu. OK, c'est bon signe. Ils ont commencé à faire du nettoyage. Parce que les autres, ils jettent dehors tous les cadavres de l'hiver. OK, ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont sûrement encore actives. Espérons, parce que c'est ma dernière ruche. Donc, je vais attendre Philippe là, avant d'ouvrir ça. Là. Bon, mais ici, je suis le gazon parce que je suis en dessous de mon arbre. L'épinette blanche. Bon, ben, on est le 12 avril. Qu'est-ce que ça fait un Québécois quand la neige arrête pas de pas vouloir fondre? Eh bien, on aide la neige à fondre parce que ça, c'est mon rond de feu. Puis moi, je veux commencer bientôt. 12 avril. Oh, bien, ben. On va aller jouer ça. Il y en a un pack. Donc, on aide le printemps un peu. Je le vois, là. Il est là, mon rond de feu. Donc, tu vois, je viens de rejoindre déjà les supports de mon barbecue. Donc, ça va bien. Je continue. Il est pas loin. Donc, j'annonce 20 degrés demain. Donc, ça va aider à faire fondre. Voilà, tu te dis, ça attend la technique. Ça va aider un petit peu, là. OK. On va attendre demain. Avec le 20 degrés. Ah! Calisse! Calisse! Pas facile. Ah! Shit! Donc voilà. C'est juste un pré-pelletage. Donc, je vais te montrer ce que j'ai fait déjà. Ici, on voit qu'on arrive déjà au sol, ça c'est bon. Donc, j'ai vidé un petit peu de neige autour de ma remorque pour mon 4 roues, hein, parce que j'en aurai besoin bientôt, là. J'ai dégagé un petit peu la fendeuse, qui était complètement ensevelie de neige, parce que ça aussi, je vais en avoir besoin dans pas long. Puis, j'ai dégagé aussi un petit peu mon tas de bois, là. Thank you.
Des télémarqueux. Télémarqueux avec du ski touring. Puis, donc là, on est à Tremblant, puis c'est la première journée de ski pour moi, en tout cas. Ouais, puis moi, c'est la deuxième. OK. Donc, il n'y a pas de deuil à faire, ce que tu veux, c'est comme ça. Donc là, on va aller au versant sud. On va au versant sud, ben, il finit sa sandwich. En télémarque, ah oui, il finit sa sandwich. En télémarque, ah ouais. Hey! La première journée de télé! Ah ouais, en bas! Donc là, on est le 15 avril. Ça a fondu pas mal. Yeah, je commence à voir mes... On entend très bien la rivière. Il est quand même à peut-être un kilomètre d'ici. Là. OK. On est le 15 avril. Et puis, j'ai réussi à dégager ma table à pique-nique. OK. Et mon rond de feu. Mon rond de feu, ma chaise. Donc, c'est mon premier feu de l'année, 15 avril. Là, ça commence à fondre pas mal sérieusement, là. Il va faire 20 degrés, là. Donc 21 avril et aujourd'hui en plus il vente, ce qui fait que ça fond encore plus vite. Bien mon rond de feu, il est tout bien dégagé. Vive le printemps! Donc on peut dire que ça a fondu en masse. Bon ben voilà, la neige est presque toute partie, on est le 24 avril. Et puis là, je peux me promener partout sur mon terrain. Je te montre ça. C'est la fin. C'est la fin. C'est le printemps. C'est le début. Donc on voit. Corde de bois est sortie. Mon rond de feu. Il est sorti. J'ai déjà fait des feux d'ailleurs. Même je dirais que le merle emmerdeur est revenu d'ailleurs. On l'entend. Attends, j'espère qu'il ne commencera pas à chier sur mon char. Bon, c'est ça. C'est le début de l'été. Ben, en tout cas, c'est le début des activités sans neige.